Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous d'entrer la caillou avec tout ça qui a dominé l'actualité football. On a commencé dans le pays d'Angleterre avec Jurgen Klopp selon le journal ça qui commençait plein sous match qui parle gagner face avec Manchester City. Toujours dans le pays d'Angleterre, il y a l'équipe Manchester United là qui déclarait que pas gagné prix pour Cristiano Ronaldo pour un club qui t'a intéressé ensemble avec lui. On parle dans le pays d'Espagne après que Jules Koundé rejoint l'équipe FC Barcelone. Journal ça a fait qu'on est ses 5e recrue, mais il y a l'autre qui n'a pas cap venu toujours. Si Real de Madrid pas trop actif sous Mercato, mais il y a Journal ça qui fait qu'on est que en cas de départ de Mayoral, équipe Real de Madrid là qui prend chercher un double pour Karim Benzema et mettre l'Isle du dehors. Dans le pays de la France, selon le journal l'équipe et l'équipe olympique de Marseille, est vraiment intéressé avec Alexis Sanchez. Et bon côté, parle dans le pays d'Italie, il y a un journal ça qui vient sous bon côté équipe AS Roma avec dossier Jorginho Wijnaldum. Et bon côté par l'équipe Jonas Sali même tout qui vient sous dossier équipe Milan qui a travaillé sur le milieu de terrain international belge là. C'est une vidéo qui est tout ça qui a dominé l'actualité football en la tournée après pause là pour donner tout le détail pour vous. Commence avec Mercato en image côté Dukens Nazon li marqué premier goal li pour l'équipe CSKA Sofia dans le pays Bulgarie. International haïtien qui te marqué 4e goal dans 4 goals à 0 que l'équipe a arrivé gagner dans Europa League conférence là. Et puis commence à l'imiter dans 87e minute de jeu que Dukens Nazon te mette goal par dans rencontre si là. Et dans dossier transfert mais Renato Sanchez qui t'a supposé rejoindre l'équipe Paris Saint-Germain sous en forme de prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros selon le journal Ojogo. Selon le journal Corée de l'Esport, équipe olympique de Marseille qui est vraiment confiant que vous avez une signature internationale chilienne. Nous voulons parler de Alexis Sanchez dans le prochain jour. Dans le transfert officiel, il y a Nicolas Olakibeli même qui rejoint l'équipe Brentford là en provenance de l'équipe Fulham dans son contrat de 4 ans. Selon le célèbre journaliste Gérard Moreno qui est vraiment proche équipe FC Barcelone, il fait qu'on est que Bernardo Silva qui a approché un peu plus du FC Barcelone. Et Nahuel Molina, international argentin qui t'a vu dans Udine SA qui rejoint l'équipe Atlético de Madrid et qui parle gain pour porter 216 dans l'équipe si là. On commence la vidéo de presse là dans le pays de la France avec le journal L'équipe qui fait qu'on est l'Olympique de Marseille tente Alexis Sanchez. En effet, international chilien t'a vraiment une priorité pour l'équipe Olympique de Marseille là, et qui t'a même demandé pour couper contrat avec l'équipe Inter de Milan pour Calabre Junior. L'information qui est confirmée par le journal Gazeta dello Sport sur page internet qui fait qu'on est que Kounia a une ouverture et Mekarab Junior accord avec l'équipe Inter de Milan. Et définitivement, Alexis Sanchez qui vraiment intéresse l'équipe olympique de Marseille là. L'information qui est capable tout concilier ensemble avec un autre vétéran qui c'est Daniel Alves selon le journal Record dans le pays Mexique qui déjà commencé à faire la fête avec l'équipe Pumas là. En effet, international brésilien qui était joué 90 minutes pour l'équipe Silla et qui était une passe décisive pour être égalisé. Daniel Alves qui commence à créer sensation dans le championnat Silla. On va aller dans le pays Portugal avec le journal Ojogo qui vient sous portier argentin qui c'est Marquezine qui a joué l'équipe FC Porto. Avec plusieurs clubs qui intéressés ensemble avec notamment l'équipe Almeria qui a fait des lions priorité et l'équipe Celta de Vigo qui entraîne en balance. Le journal qui confirmé que Sergio Conceição qui s'est entraîné l'équipe FC Porto a fait toute façon pour la Silk Crab Kimbe et même congeler Marquezine. Et bon côté par lui-même, il y a un journal ça qui fait qu'on est que Arsnes est tout prêt pour Calabre jouer l'équipe Benfica de Lisbonne. Selon le journal, ça entraîné à l'IM qui c'est Smith qui a convaincu Osnes pour quitter l'équipe Feyenoord et rejoindre l'équipe Benfica de Lisbonne. On va aller dans le pays de l'Angleterre avec le journal Daily Star qui vient sous Jurgen Klopp l'IM qui commence à plaindre pour état joueur le pour faire qu'on est beaucoup prêt pour la saison qui va venir là. Jurgen Klopp l'IM a même mis un autre match amical pour préparer le joueur le bien que le jouer le samedi face avec l'équipe Manchester City a mis dimanche le match amical face avec l'équipe FC Strasbourg là. Et bien, il y a un qui a allé dans la déclaration pour le faire qu'on est qu'il n'est pas capable d'ignorer le fait qu'après match qui va gagner samedi, après gagner une importante saison qui a venu là, donc il faut qu'il prépare. Et qu'il y a un journal Sali même qui fait qu'on est que saison n'a pas même qu'on commencé et bien entraîner Liverpool à l'Ligue qui a commencé à plaigner. Le journal qui a allé plus pour le faire qu'on est que Jurgen Klopp fait qu'on est que l'équipe qui a allé inférieure face avec Manchester City et dans un match amical où il a senti ça. Mais en tout cas, on l'autre entraîné lui-même qui déjà tête frette, et bien c'est Pep Guardiola qui fait qu'on est que les enfants ne peuvent pas mettre sur le point. C'est vrai qu'il a fait des recrues fortes, notamment avec Erling Haaland, mais Pep Guardiola qui fait qu'on est que joueur ça pas gagner pour adapter avec style équipe Manchester City. Pep Guardiola lui-même qui promet que pour adapter style joueur ça avec style équipe Manchester City pour faire succès dans l'équipe si là. Si on l'autre dossier qui a vraiment branlé équipe Manchester United de la MSC dossier Cristiano Ronaldo jusqu'à maintenant qui peut régler. Et qu'un journal ça qui fait qu'on est que Cristiano Ronaldo qui pas gagné prix et mais c'est ça que Manchester United a déclaré. Mais il y a Jean-Louis Georges Mendes qui demandait avec Manchester United pour qu'il a fixé un prix puisque Ligue est en gain d'amel des propositions pour Cristiano à jouer la Ligue des Champions. Et réponse équipe Manchester United n'a pas changé pour le faire qu'on est que Cristiano Ronaldo n'a pas gagné prix donc il n'a pas vendre Cristiano Ronaldo.
En effet, international portugais, je n'étais déjà qu'il y a un dilemme avec l'équipe Manchester United là, puisque il voulait quitter et mieux même il voulait qu'il bide. Un bon applaudissement spécial pour tout le monde qui est à mettre un like en bas de la vidéo, pour tout le monde qui est à partager la vidéo, ou même qui peut converser à qui soit attendre, il y a une petite flèche qui est en bas de la vidéo, cliquez sur l'icône pour aider nous partager la vidéo, ça. Et songez également pour like page Facebook là, et surtout abonner avec page là chaque jour pour recevoir toute sa cap dominée actualité football là. Et également, si vous êtes ensemble avec nous sur YouTube, là, nous invitons pour cliquer sur le bouton de la vidéo pour abonner et surtout activer la notification. Mettez surtout. Nous allons écouter dans le pays l'Italie avec le journal Corriere dello Sport qui vient avec déclaration Tammy Abraham pour le faire connaître que entre lui-même avec Dybala, c'est sans jalousie. Mais Abraham qui déclare que l'équipe AS Roma gagne espace pour deux rois et bien lui-même avec Paolo Dybala pour mener l'équipe ça au sommet. Le journal a tout qui reporté un autre bagaille côté Mario Balotelli a fait un appel du pied avec le président équipe Napoli pour mener l'équipe si là. En effet, dans un match amical côté Napoli, tu as joué avec l'équipe Adana Denizlispor, l'Alien qui c'est l'équipe Mario Balotelli, international italien qui était buteur dans un compte si là. On a retourné bon côté équipe AS Roma avec journal Romanista qui toujours venu avec dossier Jorginho Wijnaldum pour le faire connaître que Jorginho Wijnaldum qui tout près équipe AS Roma. En effet, selon le journal ça, Roma avec Paris Saint-Germain qui a travaillé du pour qu'il y ait une dernière entente sur dossier si là. C'est un dossier qui a bouclé pendant la semaine ça puisque il y a une entente avec international hollandais. Hein? Le journal là qui précisait que l'équipe AS Roma a fait une boucle de dossier si là qui va activer plusieurs dossiers toujours puisque il va vraiment activer Mercato. Pour nous quitter le pays d'Italie, nous allons venir avec le journal Gazette de l'Osport qui vient sur un pépite belge qui a débarqué dans l'équipe Milasia. Selon le journal, ça, l'équipe Milasia qui déjà presque une entente avec le club Bruges pour faire transfert. Le journal qui est mal épilé pour le faire connaître que eh bien, Charles Decatel qui n'est pas entraîné avec le club Bruges pour préparer l'arrivée dans l'équipe Milasia. Le journal qui mettait à la une Milan, j'arrive. Mais Charles Decatel est lui-même qui supposait débarquer dans l'équipe Milasia dans le jour qui va venir là. Et on finit avec le journal Tuto Sport lui-même qui vient avec déclaration légende équipe Juventus. Ça nous voulait parler de Johnny G. Buffon. Mais lui-même qui fait déclaration sur Paul Pogba pour le faire connaître que Paul Pogba parle retourner plus fort toujours. Il fait déclaration également sur Angel Di Maria pour le faire connaître que actuellement c'est le joueur qui plus fort dans la série A italienne. Nous parlons dans le pays d'Espagne avec le journal Estadio Deportivo qui mettait à la une à Rio. On a fini avec Mercato qui a mouvementé bon côté équipe Real Betis, notamment avec Ousmane Aouar qui est toujours intéressé ensemble avec lui. Et bon côté par Newcastle qui a montré intérêt pour Nabil Fekir. Bon côté par Bellerin qui a supposé quitter l'équipe Arsenal là pour rejoindre l'équipe Real Betis là. Mais un dossier qui a traîné ce dossier Ceballos là, puisque bien que intéressé ensemble avec lui, mais lui-même n'est pas d'accord pour quitter l'équipe Real de Madrid là. Dans le pays d'Espagne, un journal super déporté lui-même qui vient sous deux recrutements, notamment avec Samuel Lino qui sortit dans l'équipe Atlético de Madrid pour signer officiellement avec l'équipe Valence. Là. Et bon, côté parler tout bien, l'équipe Levante lui-même qui officialisait arrivé Vicente Ibora en provenance de l'équipe Villarreal. Là. Et nous parlons bon côté équipe Real de Madrid là, avec journal Maca qui fait connaître que aimer les recrutements au Prague pour fonti dans tout journal équipe là. Le journal là qui fait connaître que Carlo Ancelotti fait connaître qu'il faut que respecter champion d'Europe et mais il pas compter pour le faire recrutement pendant l'année là. Le journal là qui a les plus pour le faire connaître qu'il va mettre plein ça en jeu face avec l'équipe Juventus de Turin un match amical et pour préparer Super Coupe d'Europe là face avec Eintracht Francfort le 10 août qui va venir là. Mais quand même bon côté par le journal AS fait connaître qu'il y a l'autre 9 et mais il est toujours possible pour l'équipe Real de Madrid là. En cas de sortie de Mayoral, Asensio ou bien Ceballos, équipe Real de Madrid là qui pourra obligé de chercher un remplaçant pour Karim Benzema. Des joueurs comme Cisco, eh bien Simic et pourquoi pas Okafor qui a vu dans RB Salzbourg et surtout bien Broha qui a vu dans Chelsea, Brobe dans Ajax, nous citer ça seulement. Mais c'était un total de 8 joueurs comme prétendants pour venir en remplaçant pour Karim Benzema. On va aller qu'on a bon côté équipe FC Barcelone avec Jonas Sport qui fait qu'on est que Koundé est déjà ici. Hein? En effet, international français qui déjà signé officiellement avec équipe FC Barcelone et dans déclaration qui fait qu'on est que Xavi c'est un clé pour nous décapiter dans l'équipe si là. Toujours sur dossier Jules Koundé, il y a un journal Les Sportifs lui-même qui fait qu'on est un pouvoir supérieur pour l'équipe FC Barcelone. Dans la déclaration, toujours le fait qu'on est Xavier Hernandez qui voit football là, même gens avec lui. Mais bon, côté par les journal Monde Deportivo, vous fait qu'on est que Jules Koundé, c'est 5e recrue à Mekarab, il y a 3 autres qui sont venus toujours. Si Robert Lewandowski, Rafinha, Kessier, Koundé et surtout Christensen qui déjà débarqué. Mais il y a d'autres joueurs comme Azpilicueta, Marcos Alonso et Bernardo Silva qui toujours dans le radar équipe FC Barcelone. Dans le sens des départs, il y a un journal Sport lui-même qui vient sur le dossier Frankie de Jong pour le faire connaître qu'il y a cherché une solution internationale hollandaise qui a quitté FC Barcelone pour un autre club sous une forme de prêt. Et bien, c'est donc un plaisir pour nous pour nous porter tout ça qui a dominé l'actualité pour vous songer pour partager la vidéo. Ça, c'est une nombre qui a vraiment encouragé nous de porter plus de vidéos pour vous.
Et nous quittons avec verset journal que nous jouons dans Ecclésiaste 4, verset 10 qui dit si on tombe, l'autre la va bal mais pour lever. Mais malheur pour moun qui a vivre pour contre lui, s'il tombe, pas gen moun pour bal mais. Fais un petit réfléchis sous parole ça yo. À la prochaine bonne vidéo. Que bon Dieu bénisse chaque monde qui t'a regardé vidéo ça.